Ma mère et mon père se sont rencontrés à Châteauroux, dans la cantine qu'elle fréquentait. Il y a trois sortes d'amour. L'amour conjugal, c'est celui que tout le monde veut. Ensuite, il y a la passion. Et ensuite, il y a ce que j'appelle la rencontre inévitable. T'as mettre une femme? Oui. Pourquoi? Parce que je suis à toi. Mon histoire, c'est l'histoire. Il était rentré dans sa vie. Elle ne le voyait pas en sortir. Je t'aime, Rachel. Tu veux te marier? Je sais pas, et toi? Moi, non. Je vais pouvoir faire ce que je veux. C'est l'histoire d'un amour éternel et banal. Tu sais, tu es enceinte, Rachel, mais ça ne change rien. Tu sais très bien que je ne t'épouserai pas, je te l'ai toujours dit. Évidemment, si t'avais été riche, ça aurait été différent. Celle où l'on se dit adieu. J'aimerais bien que tu reconnaisses Chantal. Je ne demande pas d'argent, ça ne m'intéresse pas. Votre fils Philippe et moi avons un bébé de 6 mois. Oui, je sais. Et je voudrais pouvoir lui donner des nouvelles de sa fille. Oui, hop là. T'as pas peur que ça te fasse mal de le revoir? Non, puis c'est pour Chantal, je voudrais qu'il la reconnaisse. Je vais pas reconnaître Chantal. Je me suis mariée. C'est trop dur la vie. Elle est trop dure. J'élève ma fille seule depuis qu'elle est petite. Mais quand elle était petite, elle connaissait quasiment pas son père. Il a repris contact avec elle. Ça fait longtemps. C'est un homme cultivé qui lui apporte beaucoup de choses. Il l'emmène en week-end. Tu te rends compte si j'avais vécu avec lui tout ce que j'aurais appris? On n'est pas une famille. Deux personnes dans une maison, c'est pas une famille! Et nous, tu sais ce que c'est? C'est une passion. Non, c'est une rencontre inévitable. C'est l'histoire d'un...